Depuis le début de l'année, Elisabeth Borne s'évertue à convaincre les Français de la nécessité de sa très critiquée réforme des retraites. Et depuis plusieurs semaines, s'y estime un véritable dialogue de sourds qui s'est installé entre les syndicats et le gouvernement. Alors que les grèves enchaînent, la première ministre se retrouve dans une situation inconfortable qui l'aurait même poussée à sérieusement envisager de démissionner de ses fonctions. Mais avant d'être un pilier de la Macronie, la femme politique a travaillé aux côtés de Ségolène Royal. En effet, Elisabeth Borne avait été, en 2014, la directrice du cabinet de l'ancienne ministre de l'Environnement. Depuis, elles ont pris des chemins différents et leur relation est loin d'être au beau fixe. Il est très formateur de travailler avec Ségolène Royal, ça permet de s'attendre à tout. Voilà une phrase lâchée par le bras droit d'Emmanuel Macron, qui résume à la perfection l'état des liens qui unissent les deux femmes, ayant pourtant été de bonnes collègues jusqu'en 2015. Entre elles, des tensions irrémédiables semblent être apparues début 2020, alors que la socialiste critiquait allègrement le gouvernement dont elle faisait encore partie en tant qu'ambassadrice des pôles. Sur France Info, Elisabeth Borne l'avait alors sèchement recadré. Je note qu'elle critique le gouvernement très fortement depuis quelques semaines. Est-ce que s'y est-il bien compatible avec un poste d'ambassadeur qui appelle une certaine réserve? On peut se le demander. Les tacles de Ségolène Royal sur la Macronie quelques jours plus tard, à l'antenne de RTL, reblotte. Ségolène Royal avait alors estimé que la France était plongée dans un régime autoritaire avec un pouvoir qui n'écoute pas, qui ne fait qu'à sa tête, qui assiste à la souffrance des citoyens sans réagir. Son ancienne collaboratrice avait rapidement mis les points sur les i, si est-il très grave qu'une femme politique comme Ségolène Royal dise des choses de ce type, avait d'abord déploré Elisabeth Borne, qui était ministre de la Transition écologique. Avant de poursuivre, je pense que tous ceux qui regardent ce qu'il se passe à l'échelle de la planète peuvent voir qu'il y a beaucoup d'endroits où on n'est pas dans des régimes démocratiques, où parfois on ne peut même pas élire ses dirigeants, on n'a pas le droit de manifester, on n'a pas le droit de faire grève. Supérieur à Elisabeth Borne, l'évolution physique de la première ministre en image quand Elisabeth Borne avait oublié Ségolène Royal la nomination d'Elisabeth Borne au poste de première ministre. Le 16 mai dernier, n'a rien arrangé. Invitée sur LCI début juin, la socialiste de 69 ans avait été interrogée sur la campagne législative menée par la chef du gouvernement, aux côtés d'Édouard Philippe. Elle en avait profité pour charger la mule avec des attaques visant directement son ancienne collaboratrice. Ce qui est très étrange, si est-il quand même la ministre qui était au transport quand il y a eu la taxe carbone, la décision d'écologie punitive la pire qui soit et qui nous a donné les gilets jaunes, avait alors insisté Ségolène Royal, qui fut candidate à la présidentielle de 2007. Depuis, celle-ci enchaîne les critiques sur Elisabeth Borne, sur son discours de politique générale, sur son gouvernement et sa manière de gérer les polémiques et crises en tout genre. Le 30 août dernier, sur le plateau de Quotidien, l'occupante de Matignon n'avait pas hésité à renvoyer l'ascenseur à sa rivale. En effet, alors que Yann Barthès avait demandé à son invité de se présenter pour se détacher des étiquettes que ses détracteurs ont souvent pu lui coller, la politique de 61 ans avait énuméré les personnalités qu'elle estime et avec lesquelles elle a pu travailler par le passé. Elisabeth Borne avait bien pris soin de ne pas citer Ségolène Royal. Ouais, je pense que je l'ai oublié, en fait, avait-elle ainsi lancé, tandis que l'animateur télé semblait surpris de ne pas entendre le nom de l'ex-ministre dans sa présentation. Une entente parfaite entre les deux femmes en 2014. Elisabeth Borne et Ségolène ont pourtant été proches durant quelques années, au cours du quinquennat de François Hollande.
En 2013, alors que les deux femmes étaient au Parti Socialiste, la polytechnicienne avait été nommée préfète de la Vienne et de Poitou-Charentes. Cette fonction l'a menée à travailler avec la présidente de la région. Leur collaboration était à l'époque décrite comme une entente parfaite par France Bleu Nouvelle-Aquitaine. Si estime donc tout naturellement que l'actuelle chef de l'exécutif s'était retrouvée nommée directrice de cabinet au ministère de l'écologie lorsque la mère de Thomas Hollande était arrivée au gouvernement en 2014. Comme quoi, les guerres de pouvoir se mènent rarement dans la bonne humeur. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Thierry Breton Panoramique.